a volé ma voiture. On va en Bretagne. Quand je l'annonce, c'est super grave. On a dormi combien de temps, Théo? 3 heures. 148 heures pour la vidéo. Ouais. Le projet est un petit peu spécial. Salut à tous, bienvenue dans une vidéo incroyablement trop bien. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur Twitter vous expliquant un concept de vidéo dans lequel vous m'aidez. Vous avez été super réactif, incroyable. C'est un concept que j'ai déjà fait. Je vais créer une vidéo en moins de 48 heures et vous m'avez donné des contraintes. Je vous ai donné en tout 6 catégories sous lesquelles vous avez tous proposé un mot. De ces propositions, j'extrais les 3 plus likés et mon but est de me soumettre à au moins une de ces 3 contraintes. Plus simple, ce sera directement passer à vos propositions et pour les découvrir, je vais faire appel à mon équipe de Présentation des contrats que vous nous avez donnés, c'était horrible. Non, ça va, pas trop, un peu, mais quand même. Pour chaque truc, tes mains, il y a 500 réponses en moyenne. Merci d'avoir été aussi réactif. Le troisième objet plus liké, c'est le mug. Le mug. Oh, le mug gros mythe. C'est dur à dire. Le deuxième, c'est des Crocs Cars. Le premier, c'est un pneu. Pneu. Le troisième plus liké, c'est costume serpent en bite. Pas ouf. Le deuxième, c'est un costume de pneu. Et le plus liké avec 1200 likes, c'est L-U-I-G-I, ton nom sera Luigi. C'est bien Luigi. C'est le plus simple, je pense. Le troisième plus liké, c'est Shrek Pizza. Quand problème, j'ai regardé, c'est à Manchester. La deuxième plus likée, c'est Roubaix. Une image de... C'est au-dessus du Nether. Et la plus likée, c'est le coiffeur. Oh là 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 là. À Arles. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Et on est où, nous? Pas dans le sud de la France. La catégorie dans laquelle je vous attendais. Le troisième plus liké, c'est Mister V. Deuxième plus liké, c'est le joueur du grenier. Le plus liké, c'est Feldup. Vous dites Feldup, vous dites Feldup. Moi, je dis Feldup. Felda, ok, c'est le plus liké. Il a juste 10 mois. C'est aussi la plus simple parce que c'est un mec que j'ai déjà rencontré qui était là à mon anniversaire. Et du coup, on devrait essayer de forcer pour avoir JDG ou. Ouais, considérer les autres options, les tenter au maximum. C'est quoi. Ça, c'est ça. La troisième plus likée, la vie c'est comme une cigarette, plus tu la croques à pleines dents, plus tu en tires différents bénéfices, c'est réel. Le deuxième c'est vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et payer toutes vos cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en fonction d'un. La phrase la plus likée, okay, c'est à quoi sert ton million si tu prends perpète. Mais du coup bah à la limite je vais essayer d'avoir les 3. Et la dernière catégorie, c'est un titre de vidéo, du coup je vais choisir la plus likée et je vais pas la dire tout de suite. Vous découvrirez le titre de la vidéo quand ça sortira. Bon bah voilà, on a toutes les cartes en main, j'ai vraiment trop hâte de faire tout ça. Et j'ai même loué un Airbnb pour pouvoir faire tout ça et être tranquille et pas réveiller les parents. Regardez comment il est trop stylé le Airbnb. Mais... enfin voilà. Ouais. Il y a un détail qui me chiffonne hein. Quoi donc mec? Ce mur, par exemple, cette œuvre d'art là, qu'est-ce que ouais, ça veut dire? On dirait un gros champignon là. Tu vois pas que c'est trop moche le truc là? Sincèrement, est-ce que vous pouvez le remplacer? Mais c'est compliqué de remplacer des trucs. Si seulement on avait une solution. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Et merci à eux parce que cette vidéo sera coûteuse. Vraiment merci de rendre ce projet possible parce que c'est une dinguerie. Displate, c'est un site internet où tu peux acheter des posters en métal. C'est archi stylé, c'est mieux que le papier. Vous avez plus d'un million de choix sur plein de catégories différentes. Moi par exemple, là j'ai pris Your Name, Hollow Knight, Mononoke, Nausicaa, Portal. Y a plusieurs tailles différentes. Et ce qui est cool avec Displate, du coup, bah, comme on peut le voir, c'est magnétique. Du coup, c'est super simple à installer et en plus de ça, c'est interchangeable. Donc, c'est selon vos envies quoi. Avec le lien dans la description, vous avez le droit à moins 34% de réduction pour 1 à 2 displates, moins 38% pour 3 à 4 displates, et moins 42% pour plus de 5 displates. Regardez ma tête là. Donc là je vais faire un prank, je vais prendre l'aspirateur et je vais bosser l'aspirateur. Hein? Non rien. Stop mec, ça me fait pas rire. Arrête. Donc là on vient de faire une sieste, juste avant... le gros tournage et on va mettre en route le chrono, donc je vais aller réveiller les gars. Il est cassé. Non. Aïe. Oh mais gros, tu l'as réparé oui. Il est cassé. Tu l'as cassé. Riyad, t'es sérieux? Oui. T'es sérieux gros? Désolé mec. On va commencer quoi? Je t'invite à mettre le minuteur. 3, 2, 1, c'est parti. Il faut qu'on ait terminé dimanche à 20h43. Je vais vous dire ce que je pense un petit peu de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable en réalité. Déjà pour les objets, le Gromit Mug, c'est un objet rare qui coûte cher, okay, et qui est disponible que genre aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Impossible de le faire. Par contre, je suis sur Cars, sur Le Bon Coin, il y a genre
une vingtaine de gens qui vendent des chaussures Cars sur l'île de France. Mais c'est des Crocs? C'est des Crocs. Pourquoi ils coûtent 18 balles? Message. Bonjour, j'ai besoin de vos Crocs Cars de toute urgence. Bonjour, vos chaussures m'intéressent. Ouais, ciao. Ensuite, pour le costume. Le pneu, on va pas le faire. Il y a quoi d'autre en costume? Le serpent bite. Donc ça, c'est mort. C'est mort? Ok. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement... Non. I won. Lieu, on peut pas aller à coiffeur. C'est vraiment super loin et en gros, ça nous demandait d'aller soit à Avignon, soit à Marseille et de prendre un TER. Ça nous aurait flingué notre concept en fait. Ce sera Roubaix. C'est où Roubaix? Il faut pas qu'on reste plus de 3 heures. Parce que Roubaix, ça a combien de temps? 2h23. Mais ouais, ce sera 3 heures du coup. Faut compter 6 heures grosso modo aller-retour. Voilà, je cherche des noms de villes rigolos. L'échelle, bus. Ça joue 10 minutes, gros. Ça vaut pas grave passer par but. C'est un camion, c'est pas... Ah. Va sur Google, écrit bus, nombre d'habitants. Il a dit pas nombre d'habitants, il a dit nombre de passagers. Les gars, on va à bus. On essaie de démarcher, on envoie un message GDG, on envoie un message à une survie. Et ensuite, on a quoi d'autre comme catégorie? Une phrase. Après, c'est pas un problème. Script, voilà, donc juste après le démarchage, je me mets à l'écriture des scripts. Bon bah ça s'appelle Feldup. Attends, je l'appelle Feldup. Feldup. Oh, ça va mec? Ça va mec? Bah toi-même, ah, j'espère que tu vas bien, Feldup. Attends. En gros, moi ce que je te propose, bah tu le sais, tu as eu plus de likes sous le truc de youtubeur. Du coup, tu es une contrainte pour ma vidéo. Super, bah moi c'est surtout parce que j'avais envie de m'incruster sur une de tes vidéos, mais tranquille. Bah t'as géré. Et en gros, ce que je te propose, c'est que demain, je viens te chercher à midi chez toi et on va tourner à Roubaix. Je sais pas si t'as des trucs de prévu, mais annule tout. Tu peux venir juste avec Rebecca? Ouais, y'a de la place pour 5 joueurs si je peux louer une voiture. Mais vas-y, je suis archi chaud, on va aller à Roubaix. Et on va tourner quelques trucs. Faut juste que tu m'envoies ton adresse et puis je débarque chez vous à midi. Faut juste que je sois de retour chez moi avant genre 22h, tu vois. C'est large. Nous aussi, faut qu'on soit de retour à 22h, donc c'est carré. Et ben, on se dit à demain. Allez, bisous. Bisous vous deux. Bisous. Nice. On a bah du coup fait le dupe, on va aller à Roubaix. Il nous reste 47 heures les mecs. Je me dis, là, ma Peugeot 206 extrêmement minuscule, c'est pas confortable, c'est pas cool. Hein. Du coup, je me dis, si je prends une grosse BMW, je pense que je prends la BMW. Je pouvais pas réserver moins de 12 heures avant le début de vol. Attends, 21h. Non, j'ai trop hâte d'être demain, du coup. Bon, on va envoyer un message à JDG. Salut, je me présente, je suis Théo Babac. Fait des vidéos drôles. C'est vraiment le pire message. Bon ben on a envoyé pour JDG. On croise les doigts. Mister V, je sais pas comment lui prendre. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Vas-y, moi j'écris pour toi. Moi. Salut mon gars. Viens, on fait une vidéo ensemble. Mec, non. Bah mec, là on a fait tout ce qu'on peut faire. Là on doit juste attendre. Il y a juste pour Luigi, on doit continuer de chercher. Luigi, il faut juste qu'on fasse des magasins. On se fait une liste de 5 magasins de costumes. Et demain on y va. Bon bah là je vais me poser sur le canapé. Et prendre mon ordi et puis on... ça a commencé à écrire. Ok. Je serais pas trop déçu si on arrive à la ville et les mecs ils nous disent qu'est-ce que vous racontez, ça se prononce bu. Ce serait trop marrant. Objectif, rencontrer le maire de bu. Ça y est, j'appelais ça bu. Un maire dans une ville de 127 habitants. Et c'est un délégué, wesh. C'est un message de Jean du Grenier. Oh la vache. Oh la vache. Attends. J'aime beaucoup tes vidéos, mais je ne sais pas si Fred te connaît, je lui en parle dès lundi. C'est pas Fred. C'est sa prod. Aïe, c'est dommage. Ce sera mort, mais merci d'avoir répondu. Ah oui, ce week-end, ça risque d'être chaud, on est en Bretagne. Oui. Bon, je pense que... Pour genre du coup, ça va être mort. Hein. Ah mais... Oh non. On peut pas aller en Bretagne. Okay. C'est mort, on peut pas aller à Roubaix et en Bretagne. Allez, si vous pouvez arriver dans 1h max, c'est ok pour les Crocs. C'est comment? On va chercher les Crocs. Il est 23h02. Let's go, on y va, on va chercher les Crocs. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir nous. Voilà. Juste pour que, tu sais, au départ de la vidéo, je mets toujours des petits trucs pour faire genre. C'est un petit extrait, ouais, genre. Oh, c'est vénère. Donc on fait ça juste pour que les gens aient l'impression que c'est vénère. C'est où? Mec, on va où là? Allez, ma voiture! Qui a volé ma voiture? Alors, la situation, bah, du coup, on va chercher les Crocs
Cars à minuit, enfin il est 23h, parce que demain qu'on soit tranquille pendant 2 heures pour chercher juste le costume de Luigi. Et après on ira chercher Feldou. Comme ça c'est Feldou. Par contre les gars, je pense que j'ai vraiment marché sur un caca et là il y a vraiment un caca sous ma semelle. Y'a plein mec. Ah si, Crédit Agricole. Alors mon code. Bip bip bip. Argent gratuit. Yeah. Je suis le magicien du McDo. Do, do. Dites-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Okay, je veux une villa sur les mers dans le dom-tom. Les dom-tom. Marc Eva 16 dans le dom-tom. Dom-tom. Goût de luxe, je sais pas laquelle me plaît plus, la Tesla ou bien la Lexus. Je veux un menu maxi best of avec sentiment carte gold. Avec cela 2-3 piscines et sur le côté un héliport. Je veux le filet au fish, demain le filet mignon, me tirer de Lyon, tirer en Suisse. Là je vais écrire. Je vais écrire la vidéo. Mais dis-moi comment tu vas écrire alors que tu conduis. Je vais parler et Riyad va écrire. Badala, badala. Optimisation. Du time. Sacralisation. Naturalisation. Mondialisation. Ok. Mythos IROS. Parce qu'on a déjà fait ce concept. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais ce concept on l'a déjà fait il y a genre 2 ans, un truc comme ça. J'aime pas la vidéo qui en est sortie parce que bah déjà c'était en 12 heures qu'il fallait faire. Et le schéma il était trop simple pour ce concept là. Au départ, Théo il doit aller chercher des Golden Grams et pour aller les chercher, il a plein de péripéties. Et dans ces péripéties, il y a tous les mots que vous aviez choisis. C'est trop simple en fait. Il y a un point A, un point B, il suffit de mettre tout ce qu'il faut au milieu, tout ça. Là, je pense que bah du coup, il faut réussir à faire un truc plus complexe où chaque objet et chaque contrainte a sa place dans le script. Enfin, faut que ce soit un petit mélo quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. Regarde, ça commence comme ça. Et il dit bah il est où? À Roubaix. Ça te va, Riyad, au moment? Bah moi là j'ai tout noté là. Faut intégrer les Crocs et Luigi, j'avais oublié ça. On va choper les Crocs. Ça va être trop bien. Bonsoir. Bonsoir. Non, zéro van. Bonjour, me sauver la vie. C'est pas des fous? Non, vraiment pas. Mission accomplie. Oh la 20 euros. C'est minuscule ça. C'est trop mimi. Et c'est des officiels, c'est des Crocs. C'est des Crocs de chez Crocs. C'est génial, mec. Le gars, incroyable. Le gars, il a fait la meilleure affaire de sa vie. Ouais, vraiment. En plus, ça coûtait 18 euros, il a dit, je vous le fais à 15. J'avais qu'un billet de 20 et tu prenais l'argent. Ils se retrouvaient avec un billet de 20 pour ça. Là, on est en train d'hésiter. En gros, la prod de Jean-Louis Grenier nous avait répondu en disant que ce gars, ça allait compliqué parce qu'ils sont en Bretagne. Mais je sais pas si ça veut dire que c'est impossible. On irait à Roubaix demain et on irait en Bretagne dimanche en voiture. Riyad conduirait et du coup je prendrai l'ordinateur pour monter la vidéo. Envoie un message à Double Text. Ouais, je Double Text. Je peux vous proposer de moi-même venir en Bretagne dimanche matin. Là on rentre à la maison et franchement après ça dort hein. On vient de rentrer, on a les Crocs. Là ça va écrire le script, ça va le finir, ça va dormir et demain ça va... Voilà quoi. Il est quelle heure ? 11h09. Il reste 42h34. Montre. Et 15 secondes. Du coup, là, on va dormir. Demain, on se réveille. On va chercher le déguisement de Luigi. On va chercher Feldoupe. On va à Roubaix. Et peut-être que dimanche matin, on va voir JDG. Exact. À demain. Donc, je viens de me réveiller. On était censé se réveiller à 8h. Good morning. Hey. Mami. Mami. Good morning. 5h du mat, j'ai reçu un message de la prod de JDG qui dit bah, en fait il connaît mes vidéos. Okay. Et que du coup faut qu'on passe à la télé. Let's go. Répondre au joueur du morning. Oh, le joueur de la gamme du rez-de-chaussée. Demande lui quelle option il considère genre. Bon Riyad. Oui chef. Tu veux lui raconter? Demain on va en Bretagne. Attends, j'ai cru comprendre. Demain on va en Bretagne. Pour faire quoi? Pour tourner avec le joueur du morning. Oh la vache. Bon bah on va en Bretagne. Et bah on va tourner avec le joueur du grenier. C'est assez dingue. Là du coup on va chercher Luigi. Ensuite on va chercher Félix. Et une fois qu'on a repris Félix et Rebecca, nous allons aller à Roubaix. Qu'est-ce qu'on fait là mec? Ouais, on cherche Luigi. Bandit. Ok. C'est moi mais... C'est un S. Ça n'ira pas hein. Oh.
si je vous rentrais dedans. Bah oui. Ça part. Impeccable. On a Luigi. On a Luigi. Quoi? Et un costume de policier, oui, en bonus. Il est déjà midi 15, on n'a pas mangé, il faut qu'on décolle pour Roubaix. On se retrouve chez Feldou. Regarde, ça va, toi? Ça va? Demain, ça va. Sur la route, là, ça va être... Est-ce que ça te gêne si je t'appelle Feldou? Allez. En fait, depuis le début de la vidéo, on a ce désir de t'appeler Feldou. Mais je sais pas si t'es vraiment sensible à ça. Il y en a qui aiment pas qu'on écorche leur nom. Moi, je trouve ça super grave. Félix, attends, et un bilboquet sous ton cul. Pour entrer dans la voiture, tu dois faire ça. Rien de raté pour aller dans la voiture. Voilà. Nice. Tu as l'exemple. Maintenant, c'est ton tour. Je pense que la technique, c'est de pas l'entendre. Waouh. Wow. Mais attends, j'avais pas vu. Oh, mais ouais. Merci, merci. Mais dingue. Ça y est, on peut partir maintenant. Salut les copains, comment ça va? C'est YouTube. C'est Feldou. Aujourd'hui, on va faire un top. On va faire un top des foot. Vas-y. Numéro 10, celui-là. Alors, hop. Alors toi, tu es malade. Je vous invite à rentrer chez vous là tout de suite. Non, c'est rigolo, allez, c'est bon. Allez. On va passer par une ville qui s'appelle Bus. J'ai acheté des chips gâteaux très croustillantes et j'aime bien quand c'est croustillant. J'ai acheté ça moi. Je sais pas ce que ça fait en fait. Oh, coucou. Oh, y'a un mec en over. Oh, mais c'est quoi ce truc? Elle est bien, n'empêche. Il est c'est plutôt... une meuf. Elle est plutôt rapide. Les amis, en face de nous. Incroyable. Il est pas là, Benoît. C'est bien Bus. Ouais, j'habite là. Et c'est bien ou pas? C'est Bu. Ah, c'est Bu. C'est Bu. C'est Bu. Je serais pas trop déçu si on arrive à la ville et les mecs ils nous disent qu'est-ce que vous racontez, ça se prononce Bu. Est-ce que les meufs on les appelle des Bus? Non, en fait on nous appelle pas. Raconte toi ça là. Eh, c'est trop beau. Ouais, tu peux t'arrêter. Hein. Ça sent bizarre, non? C'est la clope. Non, pas du tout. C'est beau mais ça pue hein. En fait c'est l'odeur. C'est beau. Wow. Je dis que ça sent bizarre parce que l'odeur du film. Nous sommes arrivés à Roubaix. Oh. Alors... Seulement 19h41. Oui. Bah d'après le plan, c'est ce qu'on avait prévu, non? On avait dit PAT 15h. On devait arriver à 15h ouais, donc on est dans les temps je pense. Ce qui se passe, on est arrivé près de la mairie de Roubaix, il fait nuit, on va filmer ça rapidos parce que sinon on va rentrer trop tard à la maison pour le départ demain en Bretagne, ça va être chaud. Là on va tourner le truc avec avec Feldou. Tu montes vers le bas, tu dis oh c'est quoi ça, oh c'est quoi ça. C'est très bien mec, c'est très bien, on passe à la suite. De toute façon tu vas faire quoi, tu vas appeler la police? Bonjour police. Voiture. Allez, je vous libère. Yes. Pourquoi t'as rigolé? Désolé. On a une dernière scène à tourner où moi je suis en Luigi et on a fini. C'était hyper bon, c'était incroyable. On a mangé où? Feu. Non. Allez manger chez eux, c'est très bon, c'est à Roubaix. Allez, c'est bon. Le troisième. Oh! Il vient de craquer! Et c'est ainsi que se termine notre petite péripétie en direction de Roubaix. Mais dans littéralement quelques heures, va falloir décoller pour encore un road trip interminable vers la Bretagne. Et cette fois-ci, on aura une trop bonne voiture. Ça se déroule très très bien pour l'instant. Il nous reste 21h52. C'est large, c'est large. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la voiture, on va de Roubaix, on dépose Félix et Rebecca chez eux. On a encore une petite scène à tourner, du coup, on va juste monter dans l'appart vite fait pour faire ça. On rentre, on dort quelques heures, et le lendemain, on va chercher l'Apollo. Et c'est reparti. Là, on vient de déposer Félix et Rebecca chez eux. On va rentrer, on va dormir, et demain, on part en Bretagne. Et on fait des petits bisous à Félix et Rebecca.
Un grand merci à eux, on a passé une journée incroyable avec eux et je les aime énormément. C'était une journée incroyable. Allez, bisous les potos. Allez. Good morning. On a dormi combien de temps, Théo? 3 heures. Ça, c'est grâce à JDG. Trop chiant. Merci, JDG. Hop, là, on va partir. Allez. Regardez, j'ai perdu mes AirPods. Ils sont à Roubaix. Oh! Ça perd des AirPods. Bon, on y va. Oh Dieu! Oh là 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 là! Regardez le bail! Regarde! Oh! Ok, oui. Vous êtes ready les gars? Ça part! Le volant c'est du beurre les gars, regardez! Oh là là! J'ai acheté ça parce que j'en ai jamais eu. J'en avais. Tu vas faire une dégustation de pèse? J'ai déjà fait. Hein. Ah, mais est-ce qu'il faut le prendre avec la bouche? Non! On dirait que galoche, genre. Il m'a coûté 3,60€. C'est juste du sucre là. Mais vraiment, c'est un carré de sucre. Je veux dire que maintenant tu pèses, hein. Oh, il va gâcher, il va gâcher. Oh là là. Et voilà, on voit plus, voilà. On est dans le pays de la Loire. On arrive bientôt. Je voulais commencer à en parler là. Comme ça, j'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Mais je commence à sentir que le projet est un petit peu spécial. En gros, le fait qu'on ait tenu que 2 heures, le fait que la qualité de la vidéo est dégueulasse. Enfin, j'en parlerai à la fin de la vidéo. On est crevés. Ça va très bien. Bref, on devrait y aller parce que faut pas qu'on arrive en retard. Oh my god, je suis un meneur comme John C. Pilots. Oh, j'ai mis la régime. Je fais pas de vue sur YouTube, c'est pas grave, le choqué, c'est quand même 10 000. Faut plus que la plaque, elle m'a rattrapé. Bingo, on y va. Hey, hey, hey. 14, Paris, c'est next. Philippe Lingo, le fédérateur. Quand je dois trop parler ou me répéter. Big boy, man. Oh, wow. Anti-Dracula, ils veulent mon sang. Oh non, je me suis fait du mal. Pas toute la faute, mais les accomplices. La faute, je sais, ma tout, mais peut-être du monde. L'alcool dans le sang et les routes en zigzag. Ne raconte pas tes salades, je te balade. Même sans ton tour, c'est moi qui fais quand je me balade. C'était lourd, j'ai bien aimé. Dans 7 minutes, on arrive à l'hôtel où on va voir Joueur du Grenier pour lui faire dire une seule line. Comment on dit bonjour à JDG? Il dit, eh hey mec, les développeurs. Il y a le drapeau breton là, on a changé de pays. On est plus en France là. Il y a le plus. Dinguerie là. On vient de se garer derrière une voiture. On est à l'adresse, mais il n'y a pas l'hôtel. Et devant nous, il y a le joueur du grenier. Il sort de la voiture. Et lui aussi, il était perdu. En plus, tu t'es garé derrière la voiture au pif. Mais oui. Et ben voilà. Nous y voilà. Nous y voilà. C'est dingue. L'épopée. Riyad. Salut. Je pose mon téléphone là comme ça. Hier on était à Roubaix, on est rentré à 2h du mat, on a dormi genre 2h. Mais ça va, c'est sympa. Ouais, c'est franchement vrai. C'est sympa ici. En tout cas, un plaisir d'être devant. Bah de même. Merci d'avoir accepté tout ça. Je vais quand même faire un petit pitch. Hier quand on est arrivé à Roubaix, il faisait nuit, il était 20h. On était avec Felduc du coup et on a commencé à tourner. En fait on a tourné à l'iPhone et je me suis rendu compte que le script il était trop bizarre. Et du coup, c'est horrible, mais la vidéo dans laquelle je te fais jouer, elle est pas bien. Génial. Je suis le premier à t'a fait commentaire, genre, c'est moins bien que hein. Là, je pense que je vais utiliser la caméra, mais ça va être filmé à la zone, genre. Si on a des rires, etc., ça restera dans. Ok. On fait des one-shots, des trucs comme ça. Et le making-off, en fait, il sera beaucoup plus qualitatif que la vidéo en elle-même. C'est un exercice de style, en même temps, 48 heures, faire une vidéo. Ouais, ouais. Bah, let's go, franchement, on boucle ça en 5 minutes. Vas-y, venez, on y va. Ouais, vas-y, on speedrun, ça part. Ça part. Vas-y. Il va mourir, il va canner le gros. Moi je dois dire C'est chaud là. Il va canner le bug. C'est terminé. Quoi? Non. Dommage. It's a wrap folks. Fin de tournage. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu quand même de faire ce film. Ouais, non, c'est film, c'est extrêmement. C'était bien. Et franchement,
Bah good luck quoi. Bah merci, good luck à toi aussi. C'était incroyable, c'était une trop bonne rencontre. Il est trop cool, on a passé un peu de temps Burger King à parler avec lui de YouTube et de tout et de rien. Il était vraiment très très gentil, il jouait super bien. Ouais, le très bon acting. Impressionnant. Le joueur du grenier, c'est un personnage. C'est vraiment un personnage. Un personnage à 1000%. Ouais, il est trop chill. Il est vraiment cool. Trop gentil. Encore une fois, merci à... Ah, Frédéric et Julien. Merci Frédéric et Julien. Il nous reste combien de temps, Thomas ? Il nous reste actuellement 7h52 et 42 secondes. Sachant que là-dedans, il y a 3-4 heures de route. De route. Ouais. On n'y arrivera pas. Ce concept, il est flingué. Vraiment, je le dis, ce concept, il est flingué. En 24 heures, en 48 heures, avec des contraintes aussi grosses, ça, forcément, ça va donner un produit nul. Le truc, c'est que on s'est vachement laissé emporter par le projet en lui-même. Et, enfin, je sais pas si pour vous, mais je donnais vachement plus de valeur au moment qu'on... Qu'on gagnait. Fun. Et ben là, fun. Rien qu'on vient de. Voilà, manger, On était au Burger King. Enfin, là, on aurait pu faire le truc et se barrer. Juste, on s'est dit, mais on n'a pas envie de repartir tout de suite. On a envie de discuter avec vous. On a discuté. On a créé des liens. Mec, tu dis que le concept, il est flingué. Mais genre, le concept, il est flingué pour la production d'une vidéo. Parce que sans ce concept, est-ce que tu te serais dit, je vais envoyer un message au JDG. Un message à le concept, avoir autant de contraintes en si peu de temps, ça nous fait nous dépasser et du coup faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire en peu de temps, etc. Mais en même temps, bah, c'est trop de contraintes pour pouvoir faire un produit fini qualitatif. Si on devait écarter un petit peu les contraintes, donc si c'était genre 58 heures, un truc comme ça, tu vois. Bah, on se mettrait beaucoup moins la pression. On aurait sûrement pris un chargé de prod. Ouais, on aurait pris des budgets, etc. Tu vois, ça serait... Et on n'aurait pas tenté des trucs ouf, tu vois. Et du coup, c'est ça que je pense que cette vidéo, elle est genre vraiment unique. Ouais. Genre, c'est important. Hein. Impossible qu'un truc comme ça se repasse. Donc, voilà, ce que je vous propose, les gars, c'est que ça sert à rien de rentrer tout de suite. Tu veux aller à Nantes ? Non, pas à Nantes. À Rennes ? Non, j'ai envie de voir Mont-Saint-Michel. Vous avez déjà vu le Mont-Saint-Michel ? Non, jamais. Jamais, ever. C'est à une heure. Let's go. Je suis archi chaud. Let's go. On est au Mont-Saint-Michel avec les copains. C'est quoi la musique qui me fait en tête là ? Quoi ? Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, la vidéo en elle-même qu'on a faite, elle va sortir sur ma chaîne secondaire dès demain, je m'excuse d'avance pour le titre qui fait référence à un drame qui s'est fait pendant The Event, bref, merci d'avoir regardé, merci d'avoir été aussi réactif pour le projet, bisous, à très vite. Je pense que, comme j'ai dit, il n'y aura pas de contraintes de temps, comme ça on arrive à faire un truc correct, tu vois. Mais ce serait un challenging, genre imaginons, je décide en lieu, je demande un pays, tu vois. Ouais, de fou, imagine. Ça pourrait être une dinguerie. Je suis tellement pas fier de la vidéo qu'on a faite. Sur une échelle de 1 à 10, là, vous êtes fatigué à combien ? 20. Une galette super complète. C'est super complet.